démon. Tiens-toi, le démon devant le faire frère. Allez. Dans tout monde, si constance qui sentait ou qu'on sentait. Nous pouvons un petit peu plus au niveau pratique, en même qui est écrire ou quelque part et papier, paperasse. Et mon demande de tout suivre attentivement. Et ce qui aujourd'hui m'envie pas grâce avec eux, c'est que pendant le confinement, il y a beaucoup de choses qui finissent. Amen. Nous pas en tôt, personne pas en tôt, il paraît comme une brise. Amen. Qui quelque part, de temps en temps, nous vient remonter pour les gars reprendre sa couleur qu'il est supposé être là. Amen. Et pour notre vie spirituelle, bon, on encourage toutes les personnes. Il y a des fois, nous gardons nous un petit peu forés, il y a des fois, nous gardons nous décourager. Mais mon père vous dit partager que notre vie spirituelle, c'est une chose qui nous vient continuellement vendue. À cause de ça, qu'il a dit, c'est comme cela, veiller et prier. Amen. Jésus-Christ, c'est comme cela, veiller et prier afin que nous nous tenions debout quand le Fils de l'homme pour retourner. Ça veut dire qu'il a dit, Père, que quelque part, il aime beaucoup de notre vie. Les circonstances, les situations, mais nous faisons continuellement, vendre nous-mêmes, nous faisons continuellement, et mettre l'huile dans la lampe pour nous capables de préparer pour le retour de Christ. Amen. Et si quelque part, au milieu du parcours, nous décourager, non, nous reprend et qu'il nous capable de l'avant. Amen. Aujourd'hui, la dernière fois, semaine dernière, amen, et mon frère dit un petit peu de cause avec moi, ok, et moi j'ai envie, pour moi personnellement, que notre réunion de l'enseignement est un petit peu plus interactif, amen, qu'il nous capable de causer un petit peu aussi. Et la semaine dernière, nous parlons sur le ministère. Amen. Et nous allons comprendre que le ministère, c'est une petite chose qui Dieu a donné. Mais aujourd'hui, en Denis, qui sont capables de capter la semaine dernière? Qui sont capables de capter? Qui sont capables de comprendre? En Denis. Amen. Allez, pose avec moi, dis. Arrête. Ok. En Denis, nous sommes capables de dire quelque part, vous êtes tout d'accord avec moi, le ministère, c'est qui Dieu fait de nous pour nous capables et des uns et des autres. Amen. Le ministère n'est pas centré dans nous, le ministère n'est centré vers les autres, le ministère n'est pas pour moi. Le ministère, c'est servir des autres. Amen. C'est pour ça qu'il m'appelle ça et le ministère. Amen. Il m'appelle ça le service. Amen. Et là, des fois, qui quelque part, et le mot anglais, c'est to minister, service to God. Amen. Il est important qu'il nous comprend, qu'il nous capable, nous dans nous-mêmes, ce qui, quand Dieu crée nous, l'eau, la terre, il fait mettre nous au service de l'humanité. Amen. Et la deuxième chose, c'est que dans le ministère, il est important qu'il nous serve dans le ministère. Amen. Tout ce que Dieu il appelle nous pour nous faire, il est important qu'il nous mette vraiment en pratique et qu'il nous serve en ce qu'il nous dit, il appelle nous pour nous faire. Si nous fidèles dans ce chose, Dieu parmi nous dans le monde de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, on va faire la lecture de la parole, on va rendre grâce et aujourd'hui, on va rentrer et dans l'étude d'aujourd'hui. Amen. Un petit peu plus pratique. Amen. Le livre de 2 Corinthiens, toujours dans le livre de 2 Corinthiens, amen, et le chapitre 3, le verset 5 et 6, amen. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset. The spiritual realm. I welcome you, Holy Spirit. Le Gali, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Et puis on va rendre grâce juste après ça. Non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5, 6. Maintenant, veillez le verset 6. Le verset important qui vous reste là. Il nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Nous tous sommes ministres d'une nouvelle alliance. Allez. Non de la lettre, mais de l'esprit. Quand la lettre tue, mais l'esprit. Et vie. Amen. Il nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Nous disons à Dieu, merci ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, stratégie de l'adversaire, vous couvrez ce lieu par le sang de Jésus-Christ, moi-même captif. Papa, m'amène à l'obéissance de ma puissance, Seigneur Dieu. Papa, et captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, de vous prier pour une atmosphère de liberté, de paix, de joie, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu. Et nous te le disons. Amen. Vous connaissez un livre de Joël, chapitre 2, verset 28. La parole de Dieu dit nous comme cela. Sache dans le bien-être en Dieu pour déverser son esprit sur toute chair. Ok? Ma jeune pour gagner ma vision, ma vieille pour gagner ma songe.
Et parce qu'il contient des vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Et aujourd'hui, nous tournons dans une petite chose qui nous appelle nous quelque part. Dieu nous appelle nous pour servir lui. Et pour servir lui, c'est qu'il nous a servi nous-mêmes. Dis-moi, hein, l'instrument dans la maison. Amen. Comment maintenant, comment la Bible dit nous comme cela, nous sommes un ministre. Et Moïse il dit, dit comme cela, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Ok, beaucoup vous diront comment faire un ministre pour être un portefeuille de ministère. Non, 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 écoute-moi, mets ça de côté. Maintenant, la première chose, c'est que nous devons comprendre, maintenant, avant moi de l'avant, chacun d'entre nous, ok, suive-moi bien attentivement. Chacun d'entre nous, nous devons être capables d'être un vase pour que Dieu capable de servir. Tout ce que je vais parler doucement aujourd'hui, mais je veux que tout le monde comprenne comme le bien. Tout ce que je veux dire, Dieu est capable de servir moi. Dieu est capable de servir. Et je trouvais que je mettais un mot devant. Je ne veux pas dire Dieu est capable de servir moi. Non. Dieu est capable de servir moi parce que si Dieu place toi l'eau à la terre, c'est qu'il te donne un but à accomplir. Et je vais cause aujourd'hui à tous mes enfants, à tous mes jeunes et à tous mes anciens de l'église. Ça met ça à l'île pour tout le monde aujourd'hui. Amen. Et à la fin de ce message, nous vous demandons l'aide du Saint-Esprit parce qu'il vous compte beaucoup sur le Saint-Esprit. Amen. Et avant moi de l'avant, maintenant, mes frères, qui vous pouvez dire nous, qui vous pouvez expliquer nous aujourd'hui, que chacun d'entre nous, quand nous pouvons appeler pour Dieu, Dieu fait de nous maintenant le neuf don du Saint-Esprit. Dieu est pour nous ça. Suive-moi, vous parlez personne distraite. Amen. Dieu fait de nous ça maintenant. Et aujourd'hui, l'entaille qui nous pourrons entrer aujourd'hui, c'est que comment vous êtes capable de vivre un ministre du Seigneur, un ambassadeur de Christ, et comment Dieu est capable de servir moi. Mon papa Paul pour les 26. Maintenant, le message qui pourra trop prier, comment Dieu est capable de servir moi surnaturellement, dans le monde spirituel. Comment Dieu est capable de servir moi dans le monde spirituel. Frère, est-ce que Dieu est capable de servir moi? On commence par cela. Si tu es dans haine, vous pardonnez-moi pour le mot, vous êtes servi dans ce contexte-là. Si tu es dans pardonnez-moi encore pour le mot, si tu es dans haine bourrique, tu es capable de causer qu'un homme, ça veut dire Dieu est capable de servir n'importe qui ça, hein, pour Dieu capable de communiquer ce message, pour Dieu capable de faire ce qu'il y a dans lui faire. Oui. Vous comprenez moi? Et aujourd'hui, chaque personne qui est dans cette salle, est capable de vivre un instrument dans le royaume de Dieu pour Dieu servir. Amen. Mais ce qui est plus important, nous devons comprendre, c'est ce qui nous a guetté aujourd'hui, qu'il y a un neuf don du Saint-Esprit, qui Saint-Esprit qui donne à son Église, qui distribue, et qui ça neuf don-là, il apporte tenir à chacun d'entre nous. Il n'est pas juste pour pasteur, il n'est pas juste pour personne, mais il est pour chacun d'entre nous. Vous êtes la même? Amen. Et aujourd'hui, ça, il est pour moi, il est pour moi, ça. Ça, il est pour moi, ça. Et aujourd'hui, mon envie qu'il vous élabore, ça m'a quelque chose, hein, il vous élabore. Et mon envie qu'aujourd'hui, je prends ça vraiment, vraiment à cœur. Amen. Maintenant, nous voyons de l'avant maintenant. Nous avons neuf dons. Dieu, nous avons neuf dons. Maintenant, ça neuf dons-là, moi, déjà, trouve des personnes. Donne-moi bien, ça, vous pouvez se penser, vous pouvez se Saint-Esprit, guide-moi. T'as l'intimement, vous tenez ça, vous venez un peu plus réel en étude. Moi, déjà, trouve, moi, dit, moi, œuvrer dans ça neuf dons-là, tous les neuf. Nous déjà trouvé ça. Donne-moi bien. Une seule petite chose qui est importante, tout ce qui nous peut causer aujourd'hui, ce n'est pas une affaire qui existe parce qu'il y a qui gagne. Donne-moi bien, please, pour l'amour de Dieu. Ce n'est que quelques jours, donne-moi bien, 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 bien. Ce n'est que quelques jours, me lever, Dieu me dit moi le matin, bon, quand on veut prier, Dieu m'a mis moi dans une vision. Et Dieu vient dire moi, donne-moi bien, prends les temps, explique mon peuple. Oui. Ça me donne clair. Maintenant, please, parlez-le, être distrait. Parce qu'il pour bizarre sa mandon là dans sa dernier temps. Hein? Parce que sa mandon là, quand il pour œuvrer dans l'église, sa neuf don là pour toucher la vie de Mandimoun en dehors, et il pour venir la côte pour sa personne à venir à l'église. Amen. Et Dieu a envie de servir ça. Qui que ce soit, aucun petit, à cause ça, le livre de Joël 2, 28, vos fils et vos filles pour prophétiser. Amen. Dieu est capable de servir n'importe qui du monde. Mais seulement nous besoin d'une compréhension, elle. Et nous parlons de les mêmes choses qui éléments. Amen. Et mêmes éléments qui sont importants. Je prends ça et puis nous sommes capables de tourner vers la parole de Dieu. La première chose, c'est que Dieu vient de nous un don pour sa mandon là de servir. Nous tout dire servir. Servir. Pour mon dimon. Qui dimon?
les nouveaux, les nouvelles à toutes les personnes. Si je vais prendre l'exemple, moi-même, pour quelque part, un dimanche, quand je vais faire, je vais prier, je vais ressentir ça pour vous, je vais dire vous ça. Quelque part, les dons aussi de l'Église sont dirigés vers nous et capables d'aider nous pour comprendre quelque chose. Tenez-moi bien. Maintenant, papa, c'est à côté de ce message aujourd'hui. Dis, ça message est pour moi. Ça message est pour moi. Et quand il est pour toi, tout ce qu'il est pour causer là, ça message est pour aider toi, pour te capable de comprendre. Et maintenant, à la fin, qui ça message est arrivé à la fin, nous disons, mettez en pratique comment, c'est où vous ouvrir ou la bouche vous demander. Maintenant, c'est ça aujourd'hui qu'il nous va élaborer. Deuxième petite chose, c'est que Dieu qui donne sa main, dont la neuf, dont la qui appartient, qui appartient à moi. Vous ne connaissez pas qui donne pour là-dedans. Mais beaucoup de chrétiens peuvent répondre, vous connaissez, ça pour lui, non, non, moi, avec cette mentalité. Dieu, quand Dieu tout est ensemble dans le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. L'Esprit du Seigneur qui descend et qui, comme dit, ma langue de feu, qui pose sur chacun d'entre eux. Chacun, mais tu dis chacun. Il n'y a pas à tenir à toi, mais maintenant, tu sais qu'on se valait. Le plus important de savoir se valait. Amen. La deuxième chose, c'est que Dieu donne nous ça pour aider l'Église. Dieu donne moi, il donne A, il donne B, il donne C, il donne n'importe qui dit le don pour qui ça fait? Pour servir moi. Pour servir l'Église. Oui, oui. L'Église, c'est qui? L'Église, c'est les autres. Nous, mon frère, nous, mon frère. Et aussi, Jésus-Christ vient dire ça. Jésus-Christ vient dire comme ça, Seigneur, vous pouvez prier, toi, pas juste pour eux, mais encore pour des autres qui pourraient être ajoutés dans le corps de Christ. Et il y a beaucoup de mandimounes qui peuvent venir. Mais est-ce qu'il nous prêt aujourd'hui pour nous capables de faire le ministère avec ça? Moi, je ne parle pas de la parole ou quelque imposition des mains. Non, non, tout ça là, non, nous parlons de sa neuf don là. Nous pouvons rester dans sa main neuf don là. Mais aujourd'hui, sa neuf don là, il n'y a pas de tenir à moi ça. Troisième petite chose, c'est que nous disons demande le Saint-Esprit et désire sa main cadeau là. Combien de chrétiens qui restent sur la case qui disent Seigneur, que me pose une question? Combien de dimoun sincèrement, pas besoin de répondre moi, mais aujourd'hui que cette parole est confrontée. Sincèrement, dis Seigneur, servis-moi pour ton royaume. Hein? Deuxième, donne-moi ma don qui m'a capable d'être bénédiction pour mon mal frère, pour mon mal sœur. Je connais qu'il est arrivé dans le confinement, quand Dieu vient écorte nous, et aujourd'hui c'est ça qui Dieu a envie de parler. Dieu vient écorte, pardon. Quand le confinement finit écorte nous, nous vie commence perdue, nous mandons qui Dieu finit appelé nous. Et aujourd'hui, c'est ça qui Dieu a envie de faire. Répète-nous ensemble pour nous qu'on réexerce dans le mandon spirituel. Amen. Amen. Quatrième petite chose. Ça mandon là, l'idée en la diable, il l'a. Et aujourd'hui, qui gagne des gens s'y plier pour un cadeau? Je vais prendre un exemple, faire un vin béni qui m'a dit le Père Noël devant l'apôtre, okay, qui d'abord ne pas croire le Père Noël. Les vins devant l'apôtre, il prend un cadeau dans son armée. Je vais dire que ça pousse de ça. Quelle est la personne pour venir pour me dire maman, frère vin, moi je supplie, donne-moi un cadeau, frère vin, donne-moi. Est-ce que c'est correct ça? Causons-moi. Les exemples viennent pour nous ça. Pareil comme Dieu qui donne nous ça. Les pour nous ça. Les pour nous ça. Pas besoin de s'y plier, mais simplement avec la foi. Tu dis à la foi. La foi. Vigne devant et prends ce que Dieu te donne. Amen. Et sa neuf don-là, nous pouvons arrêter un par un. Amen. Amen. Non, mais ça, nous pouvons arrêter un par par un. Ok. Mon vie aujourd'hui, suive-moi. Doucement, doucement, nous pouvons aller. Amen. Nous pouvons arrêter tout ça, mon don-là. Maintenant, où? Ceux qui m'ont prié, me demandent Dieu. Chaque l'enseignement, bout en bout, qui nous promettait, le Saint-Esprit. Pour désirer ça dans votre équerre et pour faire demander à la fin, vous faire demander. Vous donnez une petite chose aujourd'hui, ça pour être vous êtes capable de comprendre. Pardonne-moi, je vais prendre un exemple pour vous êtes capable de comprendre. Tu arrives un jour, tu es un enseignant de la parole de Dieu, tu prêches la parole, mais tu es présent dans la congrégation. Et mon madame, tu as côté moi, tu fais quoi? Pendant qu'il fait prêche la parole de Dieu, ok, l'indien avec cela bouche, me prier et Dieu vient dire que le don qui est là dans moi, il vous dépose dans la vie de mon à l'instant, donne-moi bien, moi tu désires ma petite chose, à l'instant, moi je sens que ma dire un drôme de l'eau descend dans moi. Vous connaissez ma tête morton et venir descendre dans moi. Tu es tellement faux qu'il me manda à côté de moi, doucement demande pour toi ça. Mais tu es tellement faux. Mais aujourd'hui, c'est ça qui peut arriver aujourd'hui dans cette vie. Amen. Amen. Je me disais désirer. Je me disais soif. Je me disais envie. Pas dire, donne-moi bien beaucoup clair. Pas dire qui ça pas pour moi ça pour lui ça. Et un second qui m'en tient pas pour moi ça pour lui ça. Non, tout ce qui vous capable de demander,
Et dans des fois, quelqu'un te demande, Seigneur, mon vie exerce dans tout sa neuf, dont la Dieu qui n'a cause sur la grâce. Puis nous n'avons rien qui limite nous, c'est nous-mêmes qui limitons nous-mêmes. Nous peinons en limitation. Parce que Jésus-Christ qui dit, à celui que Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Et à l'époque, cette parole a été adressée à Jésus-Christ. Mais nous, maintenant, comme un réplica de Jésus-Christ, nous demandons que quelque part cette parole est aussi adressée à nous. Mon cœur doucement me parler personne de ça. Amen. La première don qui est là, c'est le don des paroles de sagesse. A word of wisdom. Moi, appelle ça une parole de sagesse. C'est quoi cette don? Au milieu de ma circonstance, le don du Saint-Esprit est activé par contre nous en vie. Le don de l'Esprit est activé quand le Saint-Esprit a envie de distribuer et lui donne un rendez-vous spécifique pour être capable d'exercer le ministère. Si, pour prendre l'exemple, pardonne-moi, c'est un Kiken. Un Kiken, c'était un grand intercesseur. Amen. Quand là, quelque part, un jour, un homme de Dieu est passé, tu trouves, c'était en Espagne, c'est un grand réveil en Espagne. Il est passé, il passe la porte que cet homme qui était dans l'hôtel, il trouve cet homme qui est tapé, mais pleurer, Quand il ouvre sur la porte, il était cette Kiken, il dit, moi, Seigneur, donne un réveil dans ce pays, sinon tu prends la vie. Je trouve le désir de demander et le désir de passer à côté. Et dans le dialogue, une fois, on descendait comme ça. J'étais juste à côté du but, mais il s'est passé à côté de moi. Moi, je suis prêt pour me gagner mon bénédiction, mais seulement il passe à côté de moi. Pourquoi? Parce que là, nous pas assez demandé aujourd'hui. Et tout ce qui nous parle d'été aujourd'hui, il appartient à chacun d'entre eux. Le don de parole de sagesse, c'est le don qui, quelque part, lui donne-moi la connaissance qui vous fait bien faire. Une parole de sagesse, soit un kikel, il est capable de dire un kikel, tant bien, ça don-là, il traversé par rapport et qu'il est capable d'être servi par rapport à un kikel qui peut donner une prophétie, soit d'une servi un kikel à travers d'un rêve ou d'un songe, une rébellion qui chose, il tient à faire. Le don de parole de sagesse, il donne-nous la solution pour quelque chose qui arrive dans le passé, et quelque part actuel qui vient arriver. Vous êtes pour moi? Il arrive une circonstance, fait que ma dire me trouver, il arrive un problème dans une situation. Ça qui quelqu'un a une révélation, comment pour résoudre ce problème? Amen. Et ça donne là les capacités de pour toi. Ou déjà trouve quelque part, tant moi bien, un quelqu'un vini, maintenant un pasteur peut faire un grand, tant moi bien là. Peut faire une grande réunion, pas qu'on ait quelques le problème. Un nani n'est que Djibout, sans qu'il y connaisse à l'écrire. L'élevé, il dit, pasteur, vous dire moins d'affaires, son frère, vous dire moins d'affaires. Bon Dieu, il dit, pardonnez. C'est une parole qui est bizarre dans un moment précis. C'est le ton de parole de sagesse. Il dit les quelque chose dans le passé et la situation actuelle. Beaucoup de nous, qui pouvaient faire là, qui ont un problème là, nous allons, nous faisons des affaires, pas correct, qui pouvait faire là. Il y a un qui a été donné, pas qu'un, nous fait ça. Est-ce qu'il veut désirer ça par pour le monde? Oui, amen. Dieu a envie que ce peuple exerce là-dedans. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, Paris pousse Bézodi. Tout ça là pousse au peuple. Et Dieu a envie que ce peuple prend sa main dans là et commence à exercer. Amen. Please. Vous prenez copyright. Si un ticket ne pas comprend, il y a avec moi. Pour vous expliquer. Ok? La deuxième chose, c'est le parole de connaissance. C'est quoi parole de connaissance? Parole de connaissance, c'est lui donne-moi la révélation de ma petite chose qui vous vient après. Un exemple parfait, une fois un ticket, ses enfants, puis elle dit non, dans des hauts, dans l'Amérique, pour prendre l'exemple de l'Amérique, mes enfants traversent dans ma piste, puis ça roule pendant des jours. Allez. Maintenant, si vous êtes à temps, les enfants-là pas venus, parents-là, ils trouvent les enfants-là pas venus, maintenant, ils commencent à être tracas. Maintenant, finalement, ils appellent l'homme de Dieu, ils commencent à prier. Quand ils veulent prier, Dieu révèle-lui dans une vision qu'ils ont fait une rare vis là. Mais les enfants-là, de désopérer. Ils disent ça, parents-là, ils croient. Et quand, effectivement, dans deux jours, quand ils retournent, ma petite chose dans le futur, ils trouvent les enfants-là descendent dans la vie, c'est-à-dire, oui, mon rare vis. C'est le ton de parole de la connaissance. Pour qui ça, dans ça, c'est pas vrai? Cause-moi, écoute-moi, vous vous sacrez, ça c'est ça, là. Pour qui ça, dans ça? Pour nous, ça. Oui. Mais si nous restons tchouk-tchouk, nous pas dire, qui va arriver? Exerce là-dedans. Amen. Commence à demander.
Amen. Troisième, c'est le don de la foi. Le don de la foi, l'idée de nous aime la foi, pas comme la foi normale. Et nous avons trouvé un quelqu'un, une circonstance pareille, je prends l'exemple de mon moment de grande difficulté, peinant ici, il dit, vous ne pas ça. Arrive ce qui arrive, nous mangeons rien. Sur la foi, il vient un petit peu plus fort, c'est le don de la foi. Moi, je ne sais pas, je des gens qui exercent ça. Quelque part, un quelqu'un des gens donne une mauvaise nouvelle, il dit, moi, je connais, docteur, écoute-moi. Docteur dit, docteur peut dire pas capable, mais moi, je peux dire toi qu'il y a une bonté qui est capable. Amen. C'est le don de la foi. Un quelqu'un qui exerce dans le don de la foi, moi, je pense un exemple, pour ça, vous donnez de la foi, vous donnez aussi la force. Ok? C'était Moïse. Vous avez une demande d'armée, vous avez une armée au père. Il exerce dans sa don, il fait Dieu confiance. Amen. Mais c'est maintenant moi bien. L'Inzis croit par lui qui nous veut la mer. Zis quoi? C'est Zis sa zéphore là qui te dit. Frère, on fait une mauvaise nouvelle, docteur, fait dire comme ça. Maman est condamnée, papa est condamné. Papa est condamné, maman est condamnée. Ok? Il est si condamné, Dieu le dit. Moi, je dis, je t'en ai fait franchement. Docteur, des envies de dire, mon papa, pas pour traverser ça la nuit. Moi, en tant qu'à mon médecin, je me dis, ce n'est pas pour payer mes gens. Pourquoi? La foi. Amen. Dieu est capable. Dans ce moment-là, je connais qu'il est arrivé. Docteur peut dire que patient pour passer. Je rie. Incroyable, mais vrai. Et dans le fond, je ne retourne pas derrière. Livré, je dis, moi, je le ferai. Mais comment il sortit? Quel est ce sourire? Quand il sortit, c'est le Saint-Esprit qui vient déposer. Amen. Dieu est capable. Amen. Et c'était l'exemple d'un quelqu'un qui s'appelle Smith Wigglesworth. Moi, je pense à l'exemple. Moi, je suis extra content quand on donne une semaine. Il donne nous une excitation pour nous qu'on exerce dans sa nom. Une fois, un quelqu'un téléphonie, moi, vite. Une fois, un quelqu'un téléphonie, j'ai dit comme cela. Vous connaissez? Et notre famille, Bébo. Il dit, tiens, maman, je vais venir. Maintenant, avec Oli, après un temps, j'ai dit, d'empêche, net, Bébo. Il dit, tiens, maman, je vais venir. On a téléphoné après des temps, j'ai dit, bon, j'ai assisté mon vie. Il rentre sur la case de cet homme. C'est quelqu'un qui me donne sa témoignage. Moi, je suis le premier du monde qui me sauve, c'était moi. Il trappe sa cadavre, il vit dans ce cercle, il pile l'omira, il dit, mort, c'est au nom de Jésus-Christ. Et le cadavre a tombé. Il rattrape, il pile l'omira, il dit, mort, c'est au nom de Jésus-Christ. Des fois, retombé. Du monde peut être docteur. Moi-même, je suis à ce place, je me dis, ok, on se voit après. Il rétrape ça, il répile, il dit, moi aussi, au nom de Jésus-Christ, il dit, moi. Comment se fait-il? C'est la foi. Amen. Mais frère, mais comment cela foi, il vient comme ça, il dit ça, il développe cela foi. Amen. Avec moi, la vie de prière, il développe, comme ça, il développe la foi. Développe mais la foi. Mais mon pensée qu'il y a tous, Smith Wigglesworth, il met ce genou en bas. Il donne un témoignage pareil, par n'est-ce pas? Tu es un homme de Dieu aussi, tu fais porter la même affaire. Il dit, Seigneur, moi, laisse ça. Moi, envie ça. Le don de la foi. Ça, qui est capable, il en dit. Je trouve une circonstance qui arrive au chaos, je dis, vous te dire au nom de Jésus-Christ. Il va arriver. Jésus-Christ sur la tempête de la mer. Maintenant, tu dis, mais qui est cet homme qui, même la tempête, finit écoute-lui? Le don de la foi. Il exerce ça dans ce moment pareil. Dieu est capable. Le don de la foi. Troisième. Quatrième. Le don de la guérison. C'est quoi le don de la guérison? Il y a beaucoup de personnes qui, quand je tutoie sa mandimona, je prie et quelque part, quand je frotte avec sa mandimona, il y a une guérison qui arrive. Et là, des fois, mandimona, quand on prie, quelque chose arrive. Tu as une douleur, une façon de faire, quelque part, quand une douleur dans les deux. Mais comment on dit prier, quelque chose arrive? Mais je connais quelle cette bénédiction que cette église. Je vous dis pour prendre l'exemple. C'est dire, est-ce qu'il y a un dimanche spécifique? Ça sent plus pour moi. Hein? Dire, maman, moi. Pour moi, et je te suis, moi, là. Amen. Je te crois, les cousins, ça? Amen. Et maintenant, mon vie, moi, je t'ai fait. Quand il y a un pause, les mains. Pour quelque part, s'il y a une église complète dans l'hôpital, là, dans tout dimanche, est dans le don de la guérison. Je te connais qui arrive? Je ne sais, imagine ça. Quand quelque part, tout le monde peut sauter dans son hôpital là, puis aller. Docteur, il a une prescription médecine, trouve-t-il vide.
Je n'ai pas envie d'arriver. Je vais prendre les temps pour expliquer tout ça. Une fois Dieu t'a donné une vision, je vais porter ça avec Dieu. Mais je connais sûrement qu'il n'y pas arrivé. Moi, je fais mon l'eau la descente, je vais prendre la descente, je vais monter, je vais chauffer, le fauteuil roulant, etc. Je trouve le fauteuil roulant, puis descendre vite, puis venir. Des multitudes qui arrivent. Je vais parler quand pour arriver, mais nous toujours persévérer avec la foi. Qui dans ce lieu, Dieu pour faire lire. Ne pas faire aucune exagération dans cette église. Mais nous attendons les temps pour Dieu. Ne pas manger devant Dieu. Laisse Dieu manger devant nous. Amen. Mais c'est moi aujourd'hui, quelque part, c'est le don des miracles que Dieu n'a pas fait. Pardon, appelle ça le gift of healing. Moi, appelle ça le don de guérison. Nous te disons le don de guérison. Je connais quand je suis le don de guérison. Je te la casse même pour bénéficier de ça pour commencer. Amen. Quand je vais prier, Seigneur, donne-moi le don de guérison. On dit pour nous ça. Écoute-moi, pas quoi, donne-moi bien. Pas quoi que ça m'a quelque chose, ça m'a fait ça en anglais forfait. Qui m'a quelque chose qui m'a dit pas existé, frère, vite, pécose, n'aïe. M'a quelque chose qui est dans le vide, dans l'air. Non, il y a quelque chose qui est réel. Crois. La Bible dit toi, crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Si je crois. Mon gars, pas frontier. Cinquième. Le don pour Buena Man miracle. Ce qui est arrivé, nous avons trouvé un dimanche sur le pied, une longue écoute, on a prié tous les deux, une longueur. Il est arrivé, nous bisons demander. Et aujourd'hui, nous vous terminons un petit peu de bonheur, mais nous vous donnons ça, l'étant-là au Saint-Esprit, maintenant d'aller vous demander pour l'amour de Dieu. Quand arrive ce moment-là, quand vous demandez Dieu, paresse mes bras croisés, paresse la bouche. Dieu Seigneur, donne-moi ton don, mon talent. Maintenant, quand on peut causer, il y a une petite chose qui peut déposer dans une équerre. Et cette petite chose qui peut déposer dans une équerre là, c'est le Saint-Esprit qui peut convaincre toi. Amen. Il peut dire toi, ça pour toi, ça pour toi, ça pour toi. Maintenant, tu ouvres la bouche, tu dis Seigneur, moi l'exerce, moi demande-toi. Beaucoup de gens, donne-moi bien. Beaucoup de personnes, je ne déjà pensé qu'il faut bien faire vibrer toi, aller à la guerre dans la don. Dans la simplicité de demander, de croire, d'aller nous expliquer comment nous activer ça maintenant là, pas de croyance et que la force. Amen. Pas de croyance et que la force du Saint-Esprit. Pas de croyance et que la force du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, si j'ai une petite chose, le don de la prophétie. Maintenant, le don de la prophétie, nous allons comprendre une petite chose. Tout ce que même dire comme cela, Dieu. La prophétie, c'est ça, c'est parler de la part de Dieu. Donne-moi bien mon retour pour les lire. Mon médecin dans une illustration pour que tu sois capable. Si Dieu est capable de servir, pardonne-moi pour le mot, mon médecin bien dans le contexte, un âne qui m'appelle ça, un bruit, Dieu est capable de servir ça pour parler avec un prophète, Dieu est capable de servir n'importe qui s'en a pour parler. Amen. Amen. L'important pour nous capables d'ouvrir la bouche et parler et me bouvine l'eau là. Mais avant moi de l'avant, me pose une petite affaire avec Dieu. Je connais combien de gens traversent la porte de cette église à l'assise dans une place. Et quand l'assise dans une place, je demande un moment, une circonstance et une situation difficile. Qui je bise une parole de réconfort ou une parole qui venant de Dieu. Quand ça m'a dit, moi, je suis assise dans une place. Quelque part, ça m'a dit, moi, là, je bise une parole pour capable de remonter pour donner de la force. Ou Dieu, tous sous les cœurs, dit comme ça, parle. Et on restructure. Et quand on restructure, on va pour faire une exagération. Cette personne quitte la porte de l'église, allez, et il me dit, bon, Dieu. Qui arrive au. Beaucoup dire, faudrait qu'on me sente moi correct, qui me peut parler. Moi, je peux dire ma exagération de ma parole, nous vivons là. Le don de la prophétie, Dieu est capable de servir chacun d'entre nous pour parler. Mais si Dieu est tous te les cœurs pour parler de tout ça, c'est un guide qui vous mord sa bénédiction. Le livre de 1 Corinthiens 14, Paul dit, mon courage tout le monde à prophétiser. Maintenant, nous parlons des trois petites affaires sur le don de la prophétie. Dieu, Dieu qui a servi moi pour prophétiser. Dieu qui a servi moi pour prophétiser. Parce que quelque part, te dire une parole, un démon, il est down.
Les puis envie mettre fin sur la vie, te n'est que des paroles. Dieu dit, elle est contente, elle trouve de l'homme. Poussé par Dieu seulement. Vous pouvez nous là, vous pouvez expliquer ça clairement. Nous prenons 10 minutes pour expliquer ça et puis nous terminons avec ça. Poussé par Dieu, dire. Et dans le fond, c'est une des centièmes de choses de cette l'équipe des eaux, au milieu de la louange de l'adoration. Le sentir de vente briller. Le sentir de dire des choses quand il va monter, dans jusqu'à vos blagues, vous avez timide. Le Saint-Esprit en vit ses vies. Mais nous, combien nous pouvons ouvrir à lui, il y a autant. Talia nous montre ça comment distinguer ça. Quelques minutes. Oui. Maintenant, trois éléments importants du don de la prophétie. Trois éléments importants. Ça, il est important pour être capable de mettre sa balance là. Ça, trois choses qui sont importantes là, on appelle ça EEC. EEC, tout en rappelant EEC, l'édifier, l'exhorter, l'exhorter. Si un démon sortit en dehors d'encadrement là, nous, ma serviteur de Dieu, nous voici avec lui. Pour prendre un exemple, ok? Un gars comme ça, bon Dieu peut dire aujourd'hui tout le monde. Là, pas besoin de dire beaucoup après la réunion, on dit moi, s'il vous plaît, soyez au cœur, soyez frère, s'il vous plaît, après, mais quand on dit, ce qu'il nous dit là, il n'est pas bon. Il vous confronte avec beaucoup d'amour, sans blessure. Mais ce qu'il ne dit pas bien, parce que pourquoi tant moi bien dans trois petites choses? L'y édifier, l'y exhorter, l'y confronter. Ça, le cadrement, c'est un capel cadrant, télévision là. Pénal n'en est qu'à sortir, on dit ça. Amen. Édifier, c'est une direction morale. C'est-à-dire qu'il y a une direction pour tirer du monde là. Dieu dit, l'adultère, il y a le péché. Sors de là, parce que Dieu est content toi. Ma petite chose, Dieu dit à toi pardonner. Vous avez déjà une parole pour nous expliquer? Amen. Amen. Dieu dit à toi comme cela, et quelque part, il dit de toi ma direction morale, et sa direction morale là, il aide sa dimouna pour sortir dans l'immoralité, soit quelque part, pour donner une autre direction qui par rapport pour mettre en ligne avec la parole de Dieu. Ça, c'est le premier, édifié. Deuxième, c'est exhorter. Exhorter, il donne-moi une direction physique. Dieu dit à toi comme cela, pas quitte le travail. Reste ici parce qu'il voit pour toi la grâce. Ça m'appelle ça exhorter. Édifier, lui mets-toi en ligne avec la parole, lui cadre-toi. Tout ma petite chose qui est bizarre. Exhorter, lui cadre-toi d'après ma petite chose physique, ma petite chose qui est physique te fait bizarre. Ok? C'est bon? Ma direction, Dieu dit à toi comme cela, pas presque pour noyer. Je vais comprendre? Ok? Lui donne-toi ma direction physique, il n'est pas moral. Conforter, il conforte un petit peu dans un moment qui passe dans une circonstance difficile. Ça, trois éléments-là, bizarres et non dans la prophétie, tout qui saute en dehors de ça, trois-là, il n'est pas mis de Dieu. Un point, c'est tout. Parce qu'il finit écrire ça dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 3. Édifier, exhorter, conforter. Édifier, il donne-moi un sens moral, une direction morale. Deuxième, exhorter, lui donne-moi une direction physique. Troisième, conforter, lui aide un petit monde dans ma circonstance difficile, pour apaiser, lui indiquer une triste dans l'église, lui dit allez comme cela, Dieu peut te l'écrire. Pas inquiète-toi, pas triste-toi, mais vous donne-toi la force. Amen. Ça, c'est le confort. Amen. Maintenant, le don de la prophétie. Paul dit à l'église de Corinthe, mon courage qu'ils sont tout capables de prophétiser. Amen. Et je suis tout capable de parler en langue. Lui dit ça. Amen. Maintenant, pour nous capables de comprendre trois petites choses, nous vous mettons un élément. Next. Ça va un élément-là, il est important pour nous capables de comprendre. Amen. Lisez-nous comme cela. Dieu premier, c'est Dieu capable de servir n'importe qui dit. Une fois, il dit comme ça, frère, Dieu capable de servir sa dernière dimoune qui est dans le péché-là. Qui connaît sa dimoune qui est dans le péché-là, là-là, il fait très gentil. Nous pas dix personnes. Vous êtes amen? Amen. Nous pas dix personnes. Nous, en tant qu'il nous-mêmes nous pésisait, nous péchons en tant qu'il nous-mêmes nous pésisait. Il y a autant. Amen. La deuxième chose, c'est l'issue à la responsabilité de cette personne qui Dieu dit et qui Dieu envie par la son peuple. L'île aux responsabilité. Beaucoup de fois, il y a quelque chose. Pour moi, personnellement, des gens arrivent, me dire, à un moment, me dire, moi, si je ne veux pas dire, il passe par la fraction seconde dans le corset.
Donc ça va faire chose seconde qui dans vos pensées là. Il y a quelque chose qui est capable d'arriver. Le diable vous aide beaucoup dans vos pensées. Amen. Mais aujourd'hui, vous exhortez, vous encouragez. La parole de Dieu dit nous comme cela. Plus nous parole lit beaucoup, plus nous phrases il perd du sens. Et mon courage, si un jour je tiens à vous donner une parole de la prophétie pour lui impacter la vie de ma quelqu'un, laisse-lui être courte et simple. Je t'amène. Amen. Parce qu'il pas laisse Dieu, mais pas laisse ou même explique ce qu'ils vont dire. Amen. Récemment, moi j'ai beaucoup porté ça avec eux devant ma femme qui l'a. Récemment, mon beau-père était bien malade, beaucoup malade. Quand tu as trois fois, il fait même trois opérations, trois grandes opérations. Et quand même, je suis allé visiter et lire ça avec lui, c'était vraiment difficile. Mais je me rappelle un jour que tu es vraiment down, tu fais opérer. Et ça joue là, quand tu as une prophétie qui est donnée dans l'église, ça joue là comment nous pouvons finir la réunion, nous gagnons au téléphone. Quand mon beau-père au téléphone, il va vite. Nous finissons par comprendre, je peux dire, vite, qui va arriver. Mais ça joue là, tu as une parole de la prophétie. Et cette parole de la prophétie, un jour, c'est venu pour nous donner le témoignage, que cette parole est adressée pour lui. Et cette parole vient dire à lui, les personnes pas connaissent la circonstance. Et cette parole vient dire, vous pouvez mettre tout papa le sous pied. Clair et direct. Moi-même, je ne peux pas me donner la prophétie, mais c'est moi la personne qui dit là, il me disait à lui, et je dis, pour cette information, il est bel et bien vivant. Amen. Et il dit bout de sur les pieds et il est en bonne santé pour plus qu'il te dit. Amen. Comment se fait-il si parti donne sa prophétie là à ce moment-là, poussé par Dieu, je connais qui tu as avec nous, tu peux en doute. Bout en bout le chemin, moi avec 8 minutes, puis encore pétir. Dieu dit. Il va pas abandonner, Dieu dit. Nous passons dans N, tu fais D, tu fais 3, tu fais Zodi encore là. Comment? Parce que la parole réelle de la prophétie vient dire. Amen. Parlez de la parole de Dieu. Amen. Comment ça dit mon nom connaît, nous pas connaît. Mais quand il finit de dire, il déclenche une quitture dans le monde spirituel. Et tout le monde, personne tellement bien, ça pourrait être pour sauver ça à ce sujet-là. Ça pourrait être beaucoup de gens pensaient qu'ils pouvaient dire dans l'église, ça n'est pas parole de la prophétie. Parole de la prophétie, il gagne instantanément à ce qu'elle a mis dans un moment précis. Amen. Amen. Et il y a quelque chose qui vaut vraiment haïr cette église, haïr ça. Vous connaissez un problème, un dimanche, une même prophétie. Ça n'est pas mon Dieu. Au gars, dit pour, si vous voulez, vous dites, allez franc. Mais pas pour un problème, dis-moi, nous tendez, vous dites prophétie. C'est de la même. Amen. Ou là, en instant même. Ça veut dire qu'il y a une petite chose qui vous monte. Une fois, quelqu'un t'explique-moi ça. Il dit, frère, mon gros, tini, mon pantalon, une sorte. Effectivement, sa prophétie-là est bien placée pour sa moment. Amen. Amen. Et prophétie, si vous parlez, si vous parlez plus loin, qui vous rappelle, Dieu dit à comme ça, pardonnez, relâchez. Qui fait de ne pas faire relâcher? Et il est bien biblique. Je t'amène. La parole de la prophétie. Parlez de la parole de Dieu. Amen. Pas une avant pensée préconçue. Je veux dire, quelqu'un finit par nous, on est boubine dans sa moment-là. Dans sa lettre, le Seigneur pour ouvrir, pour montrer qu'il s'est fait. Amen. Amen. On continue. Il est important de comprendre qui veut dire une vraie prophétie qu'une fausse prophétie. Il est important pour nous connaître ça. Maintenant, c'est pas tellement bien la personne qui donne une fausse prophétie. Il peut être blocage sur la vie parce que Dieu peut mettre un barrage parce qu'il ne peut pas dire ce que Dieu veut dire. Il a une fausse affaire. Mais c'est pas sa personne qui peut recevoir à the other end, au l'autre bout, c'est sa responsabilité pour étudier sa prophétie là pour parler. Moi, déjà, pour un quelqu'un, tu as dit cette parole. Bon, Dieu, tu as tout ça, pas aussi aller. N'est-ce que les aller. Non. Tu as besoin d'attendre confirmation pour sier ce que Dieu dit. C'est-à-dire que c'est notre devoir pour connaître pas ni bon ni pas bon. Mais nous, ce qui nous besoin faire, c'est la personne qui peut écouter là, lui, besoin connaître pas bon, pas bon. Mais la personne qui peut donner avec la force pour la gloire de Dieu. Oui. Je t'amène. C'est-à-dire que parce que là, pour besoin que ça dit qui se trouve là. Il ne faut pas en qui pas entendre de la parole de Dieu. Un du monde qui a venu me dire, ah, Dieu peut dire tes affaires. Allez là, ou bien connaître pas en lui. Les là, après réunion, qui nous pouvons venir nous causer avec lui. Vous avez compris? Amen. C'est Dieu qui a servi moi. Et toutes les paroles de la prophétie bizarre biblique. Amen. Les bizarres bibliques, les bizarres trouvent dans la Bible, les bizarres encastrés dans la Bible. Il n'y a pas qu'à sortir en dehors de la Bible.
Ah, Dieu pitié à toi. Pour cette fois-ci, tu n'auras pas pardonné. Tu comprends moi? Est-ce qu'ils ont trouvé le public là? Non, ils sont en dehors la vie. Dieu ne dit pas de même ton ennemi. Donne ton ennemi manger s'il peut. Vous êtes la même? On prend un petit peu de temps sur cela. Mais aujourd'hui, qui nous capable? Tu sais même dire le mot capable. Et dans sa main d'on là. On ne sait pas pendant la louange ou l'adoration, Dieu est capable de toucher quelqu'un et donner une parole. Mais c'est bon, fais-le avec foi. Amen. Et mon fils, mettez une dernière petite chose en bas. Moi, je mets une petite chose en bas. Non, c'est bon. Ok? Oui. Amen. Ce qui est important, moi, pour porter ça avec eux, nous besoin un petit peu de la foi, de courage, pour capable d'exercer ça. Beaucoup de gens disent, moi, ah, dis-moi qui vous dit. Pas que dis-moi qui vous dit. C'est Dieu qui dit au Dieu. Nous besoin dire, nous besoin la foi et courage. Nous besoin qu'on dise quelque part un petit peu plus de, ok, Seigneur, dis simple ça. Arrive à un moment pareil, dire comme ça, Seigneur, beaucoup, écoute ce qu'il doit te dire. Beaucoup dit. Et la parole dit pour ça, Dieu dit à toi, comme avec cette parole de prophétie, Dieu dit à lui, compte en toi et suivi par la parole de prophétie. C'est-à-dire qu'il, quelque part, nous besoin connaître et nous besoin quelque part exercer ça. Parce que Dieu donne ce peuple ça. Oui. Dieu donne ce peuple. Oui. Maintenant, pour faire un petit chose, pour souligner, que personne, quand il y a quelque chose pour dire, ferme sur la bouche. Parce que pourquoi? Tu peux bloquer une bénédiction qui se posait à côté. Ce qu'on m'a dit qu'il y en a pour exercer donc, le prophétie, ferme la bouche, tu fermes la bouche une fois, deux fois, trois fois. Quatrième, tu peux renouveler ton prénom. Parce que Dieu finit de dire, moi, donne-toi la sens pour dire, me trouver papé. Ou déjà, tout le monde dit, moi, nous disons, moi, je vais nettoyer la grave. Quand on sort de travail, je vais balayer sur la maison pour salver Dieu. Est-ce qu'il veut faire le travail là? Ou dire, moi, donne-toi un sens, descends-toi. Troisième sens, dis-moi, paye-toi. Tu n'as pas pu faire le travail là? S'il te plaît. Quand tu balayes, tu es devant la boîte là-bas. Mais tu ne rentres pas ici. Regarde qui l'a mis de dire. Moi, pour hôte à celui qui est là. Il y en a un seul, moi, pour tirer ça, un an, moi, donne à celui qui est là, 10. Fais beaucoup attention. Et mon vie portée à Zenda fait vite, et nous passons ça 3 dans l'année dernière. Enza fait mon vie portée à Zenda. Si un dimoun, ou peut faire un travail d'un autre dimoun, qui l'autre dimoun a supposé faire. Moi, prendre un exemple simple, pour ne pas blesser personne. Moi, peut supposer faire un vie, dire, moi, mettre ça des dans sa place. L'India où? Quand l'India où? C'était où devoir de le faire? Ou pas l'envie de faire, un autre démon est venu faire. Quand on parle dans les cieux, sa couronne qui supposait être un joyeux là, là ou quelque part une décoration, ou pas vous gagner. Ça démon qui fait un travail là dans vos places, c'est lui qui peut gagner ça dans vos places. Fais beaucoup attention. Amen. Et je te là, Amen. Je te réfléchis. Trois derniers dons. Maintenant, le don de discerner, le don de discernement des esprits. C'est quoi le don de discernement des esprits? Dieu donne-nous le don pour capable de connaître qui l'esprit a du monde animé. Comme Paul était démarché avec un certain moment, il dit comme cela, esprit de Python sort. Dieu nous donne la capacité pour capable d'identifier ça, l'esprit de divination sorti. Amen. Et Dieu est capable de demander le don de discernement des esprits. Ça, c'est qu'il veut cet esprit. Écoute-moi, pas faire un vin qui pour le taille. Ou capable de demander ou pas gagner, mais l'autre, mais c'est le Saint-Esprit qui vous connaît, qui vous appelez, et qui peut pour avec ça. Pas bien dire que moi, je vais venir presque au lambeau bien gagner ça. Non. Je demandais, laisse Dieu faire. Je suis rien, je suis un canal de l'eau. On peut canaliser de l'eau pour faire se comprendre. Parlez sans aucun don, parce que c'est ça qui te l'a mis, donner un cadeau. Ça n'a pas moi le parler en langue. C'est un cadeau. Dis-moi, pas besoin de supplier pour le parler en langue. Crois seulement, et dis-moi là pour gagner. Bon, quand on continue. Le don de parler des diverses langues. Qu'était ça, ça don-là? Nous avons trouvé un missionnaire là, dans notre pays. Un pygmée en Brésil, dans l'Amazon. On a descendu en bas. Rentre là-bas, on n'a pas connu qui l'engage pour causer. Mais c'est un moment-là, le Saint-Esprit touche ça. Et le Saint-Esprit fait une cause dans la garde. Ça m'a dit, là, pour qu'on a gagné la parole. C'est le don de parler en diverses langues. Et un petit peu de administrer, y aller en Italie, en Espagne, ça allait là. Un petit peu des gens fait ça de la manière. Une fois, qui gagne, puis aller, Dieu, le Saint-Esprit, vraiment, tu se lis, il a dit avec le tout, il traverse le chemin, il rentre côté cordonnier. Il n'est pas qu'une cause allemande, il rentre une cause allemande avec Saint-Michel. Michel a tellement une en colère, il traite tous ses affaires, il commence à dire, sortez, allez, il ne faut pas aller trop, toi là. Il rentre dans le tout, il a dit, qui n'a même pas connu moi-même.
m'a donné la parole. Mais après un certain temps, quand cet homme finit retourner, il entendait que ça coordonnait un mot. Comment ça coordonnait un mot? Les larmes du Saint-Esprit causent et puis j'allais comme ça, m'a dit, dis à toi là-bas, m'a donné cet homme ce dernier sens de la vie. Mais il n'est pas fini de prendre ce sens, il ne va pas faire. Dieu cassait le milieu de n'importe quelle façon. Ça donne l'an, il a moi connu, c'est un jour, moi, l'enlève, moi, moi, connais, moi. Enfin, si Dieu permet, si Dieu permet, mon cavalier, mon cavalier d'être place pour pas connaître ce langage. Mais qui, à ce moment-là, qui se même, elle se donne la même place, poussée par le Saint-Esprit, de t'en vie, porter sa parole, boum, ce don de parler de diverses langues, mais qu'il vient demander, mon cavalier exerce sa langue. Amen. Et le dernier, le neuvième, le don d'interprétation des langues. C'est quoi le don d'interprétation des langues? C'est le don qui est moi, moi capable, quand tu me parles la langue, me donner. Dans l'église, à l'époque de Corinthiens, tu as plusieurs personnes, les autres la voient en langue. Mais là, Paul finit dans le disciplinement du monde qui les voit en langue, mais il y en a quelqu'un qui connaît, interprète ça. Ceux qui pour exercer ça dans un bouquin comprend que je pourrais amener ça à ça pour m'a dit, quelque part pour m'a dit un livre. Dis moi, n'avais cause toujours ici, petit peu, de finir qu'on lit, je pourrais ressentir ce qu'il peut dire en esprit. Il n'y a pas une affaire qui comprend dans les oreilles, mais une affaire qui comprend en esprit. Ça dit, on peut parler en langue de cette manière, ou peut finir interpréter. Dit, on n'est pas capable d'interpréter ça, le Saint-Esprit est toujours pour nous donner le message. Comment ça doit être? C'est le don d'interprétation. C'est le don d'interprétation des langues. Amen. Tout ça là, Dieu finit de nous terminer. Et aujourd'hui, je t'ai envie aujourd'hui, explique que Dieu finit de ça, nous mettons debout dans quelques secondes. Mais aujourd'hui, c'est le temps de demander à Dieu, s'il vous plaît. Pas faire ça croire qui s'épousissent ABCD. Non, non. C'est le temps de demander. Il paraît que moi, quelqu'un est venu prendre ta cadeau et mettre l'autre devant. C'est qui un petit peu timide pour moi, hein? Mais il a mal dit, il dit, quoi que ça? Tu as même cadeau et demande tout. Il dépend de cette personne. Il dépend de sa capacité. Mais c'est moi, c'est eux qui vous a demandé aujourd'hui. Aujourd'hui, mon vie encourage chacun d'entre eux d'exercer. Dans un don qui Dieu fait pour le bénéfice de l'Église. Est-ce qu'il nous permet de nous donner?